Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour l'épisode spécial, l'épisode d'information de mi-mai, mais aussi, très important, l'épisode des 50 abonnés, enfin tout simplement la vidéo remerciement pour les 50 abonnés. Oh là là, ça y est, enfin on est passé au-dessus des 50, en ce moment j'ai 53 abonnés, je pensais pas vraiment du tout atteindre ce chiffre, hein. Enfin ce nombre, parce que c'est un nombre, franchement, oh la vache. Ça me fait vraiment bizarre, ça me fait vraiment bizarre, je vous adore tous mes abonnés, tous ceux qui sont même pas abonnés aussi, ceux qui regardent mes vidéos, qui disent du bien, qui disent du mal, qui mettent pouce rouge, qui mettent pouce vert, je m'en fous, ben pouce bleu d'ailleurs, je m'en fous totalement, je suis content de faire mes vidéos et je suis content qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce que je fais, même si c'est pas nombreux, je trouve ça super, je trouve ça vraiment super, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout, parce que vu que c'est une double vidéo, je vais dire d'autres trucs. Parce que à la fin, il y aura un petit cadeau. Voilà, tout simplement. Alors, bon, bah, j'ai fait un petit papier, parce que comme d'habitude, je retiens pas tout, histoire que ça reste un petit peu logique, que ça se suive dans cet épisode. Tout d'abord, enfin, je vais évoquer, comme d'habitude, le passé de la chaîne, le présent et le futur. Alors, pour le passé, eh ben, ça y est, Pickle Block saison 2 est terminée, depuis quelques temps déjà. Alors, j'espère que ça vous aura plu, la saison 2 est un poil plus courte que la première, j'ai trouvé ça très très nul la fin dont elle s'est... Enfin comment ça s'est terminé, j'ai trouvé ça excessivement, pardon, nul. C'est un peu dommage, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre du 7. Bah, on verra bien sur la saison 3, parce que je compte bien prendre ma revanche. Alors, le présent, en ce moment, c'est la diffusion de Mountain Blade Warband saison 1. Et oui, saison 1, tout simplement, parce que d'après les retours... déjà pour les trois premiers épisodes, ça a l'air d'être bien accueilli. Et donc je pense sérieusement faire une saison 2, mais pas sur Mounted Blade Warband, mais sur son extension With Fire and Sword, qui rajoute pas mal de trucs vraiment sympas que je pense mettre en œuvre dans un let's play un petit peu scénarisé. Alors pour ce qui est du futur, ben, on va finir la saison, qui est quand même assez longue. Puis après, je vais faire un nouveau guide. Enfin, je suis en cours de tournage actuellement. Un nouveau guide, j'en avais déjà parlé. Il s'agit d'un guide sur le jeu Factorio que j'ai présenté sur ma chaîne. Allez dans la playlist de présentation de jeu pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un jeu vraiment très 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 sympa que je conseille à tous. Il est actuellement en alpha pour le prix de 10 € et son prix va augmenter lors de la prochaine mise à jour qui inclura le multijoueur et qui va franchement changer le paysage de Factorio. Alors je fais un guide un petit peu spécial, vous verrez, c'est plus un guide let's play, plus qu'un guide comme ce que j'ai pu faire sur sur Towns, parce que c'était pas la même chose, c'est pas le même principe, du coup j'aurais pu se faire un let's play. Vous verrez, ça sera un petit peu différent. Alors voilà, donc j'ai évoqué le passé, le présent, le futur. Quelques petites infos maintenant. Alors j'ai appris, en parlant de Towns et de mon guide, j'ai appris déjà assez longtemps, et après il y a eu un billet sur jeuxvideo.com, une news... la fin de Towns s'est simplement arrêtée, le projet a été arrêté par l'équipe. Alors, raison évoquée sur jeuxvideo.com, problème d'argent, problème du crowdfunding, le financement participatif des joueurs, voilà. Mais il semblerait que c'est pas que ça, il y a eu un billet sur les forums de Towns, sur les forums officiels que j'ai lu en anglais. C'était un des créateurs de la boîte, je sais plus à quel c'est d'ailleurs, qui faisait Towns, qui a simplement expliqué les raisons, et il semblerait qu'il y ait aussi eu pas mal de dissensions dans le groupe qui faisait Towns, du coup ils ont arrêté. Alors par contre, il semblerait qu'il referait peut-être un nouveau jeu, en tout cas lui, enfin celui qui a récupéré la boîte, il referait peut-être un nouveau jeu et qu'il apprendrait de ses erreurs. Ouais, bah je sais pas trop ce que ça peut donner. Parce que après le fail de Towns, j'aimerais bien d'ailleurs, il propose à des gens de récupérer le projet, si vraiment ils le veulent. S'il y a quelqu'un, bah sûrement pas parmi ceux qui m'écoutent, mais s'il y a quelqu'un qui se sent partant, j'aimerais bien, parce que franchement Towns, je me suis éclaté dessus, j'aimerais bien que ça continue. Voilà, tout simplement. Alors, une seconde info, et non pas des moindres. Alors, peut-être pas le mois prochain, ou en tout cas en fin de mois plutôt, je vais faire un live. Un live pour les 50 abonnés, voire plus. Hein. J'ai envie de jouer avec vous, de partager avec vous. Ça serait un MA, donc Ask Me Anything,
Parce que dites-moi, demandez-moi ce que vous voulez, littéralement. En gros, ça serait une FAQ. Vous viendrez me rejoindre sur, je sais plus quel jeu, je sais pas encore quel jeu. Un petit live Twitch. Je vous dirai la date. Je pense à la prochaine vidéo d'information, celle qui se fera à mi-juin, pile pour la date de mon anniversaire. Génial. Et avant le bac, donc c'est pour ça que je le fais pas tout de suite parce que j'aurais bien aimé le faire maintenant, mais le bac arrive rapidement. J'ai beaucoup beaucoup de boulot. D'ailleurs, hier, je me suis couché à 2 h du matin pour finir mon boulot. Mais c'est un peu la galère, voilà, tout simplement. Donc je le fais pas tout de suite. Je le ferai sans doute à la fin du mois prochain, en juin. Voilà. Donc maintenant, on passe au petit cadeau. Voilà pour ceux qui sont encore là. Alors le cadeau, bah, c'est tout simplement une première partie d'une carte Minecraft que je suis en train de faire tout seul. Alors c'est pas la méga architecture, hein, vous attendez pas à quelque chose de magnifique, d'absolument fantastique de ma part. Déjà c'est une version bêta, j'ai pas du tout le temps de tout faire, hein, j'attends de faire quelque chose de plus étoffé. Il s'agit d'une île, enfin c'est une petite île avec un phare, un pont, quelques petits trucs comme ça. Pour l'instant c'est en version bêta. Y a pas énormément de choses, mais quelques petits trucs sympas, un petit peu de map aventure implanté. Alors, je prétends pas être un super builder. Il y en a qui font des choses sur internet beaucoup mieux que moi. Bah voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu vous faire partager avec vous. Donc j'ai fait quelque chose. Je vous le partage. La carte sera mise à jour au fur et à mesure, je pense, des abonnés. Tout simplement. C'est-à-dire que aux 100 abonnés, la map aura grandi, je vous la remettrai une nouvelle version, etc., etc. Voilà. Tout simplement, tout simplement. J'ai pas vraiment d'autres choses à vous offrir pour l'instant. C'est pas non plus extraordinaire, 50 abonnés par rapport à d'autres personnes, mais pour moi, ça c'est énorme. Et je vous remercie encore du fond du cœur. C'est vraiment incroyable. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à commenter cette vidéo. Ah tiens, d'ailleurs, une dernière chose. N'oubliez pas d'essayer de me demander des jeux. Est-ce que vous voulez voir en let's play, en guide, tout ce que vous voulez. Toute la liste est dans la description, elle s'étoffe de jour en jour. Bah, j'acquiers des jeux, je teste de nouveaux trucs. Si vous voulez. Comment dire? Si vous voulez voir des jeux de cette liste apparaître, que je fasse des vidéos dessus, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse dessus et sur quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter, à commenter, etc., etc. À télécharger la map dont le lien est dans la description de la vidéo. Et puis voilà, et ben à la prochaine. Salut à tous!